Ouais, salut! Putain, j'ai pris la game à Maru. Ouais, c'est vrai. Là, dans la liste, Coquet, il a vu la game à Maru, il a fait: Oh, la game à Maru! Maru! Ouais, Maru. Maru! Et du coup, on a été obligé de le frapper pour qu'il ferme sa gueule. Parce que voilà, il est tard et tout, il y a Oh des. ouais, j'avoue! Oh, le call, Waouh! il est sick, c'est ce que tu t'es dit? Non, t'as regardé la game. Mec, si tu regardes la game, tu peux pas être Non, non, mais Funkadamus. mec, il a pas regardé la game. Mais si, regardez l'écran, il a fait deux hacks en voyant SCV sortir. Ah oui, bah oui, bah. Bonjour à tous, bienvenue sur la Comeback TV. J'espère que vous allez bien, les potes à la compote. On est là pour une petite vidéo YouTube, aujourd'hui, bienvenue. Bien sûr, avec tout simplement un Maru contre Xi. Contre XY. Et c'est qui, XY? Ouais, c'est un bon Bah terrain, oui, c'est un bon terrain chinois. En gros, t'as un top 3 terrain chinois Moi, je connais Coffee Time. Ouais, bah voilà. T'as Time qui est premier, le deuxième c'est plus ou moins Coffee, mais très proche derrière Coffee, t'as XY. Ok. Ou Salut XY. TKL, comment tu vas TKL? Bah écoute mon petit coca, ça va super. Aujourd'hui on va analyser cette game. Alors c'est Oh. les deux joueurs, c'est des brutes. Ils viennent du coup de Corée pour je crois on seed Maru et. Normalement, à la fin, ils diront Xoxo parce que c'est des Coréens. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Scooter frame 1. Non, on sait pas voir, on sait qu'on va se faire disrespect du côté de XY. Et du coup, on ne se laisse pas faire, c'est Par contre, le bureau. spot est cycle. Bah, je crois qu'il est juste coréen. Ouais. Non, mais va le chercher. Oh, il aurait pu peut-être. Il aurait peut-être travaillé un tout petit peu plus. Il aurait pu travailler un tout petit peu plus. Bon, après, dans tous les cas, l'avantage qu'il a pris est huge, bien sûr. Massif. On espère que vous passez un bon moment sur YouTube si. Ce moment, c'est pas. J'allais dire taper, hein, je sais pas quoi, mais non, il y a pas. Si vous avez fait aux courses aujourd'hui, taper. Hein. Non, pas du tout. Je mets la prod parce qu'on sait jamais s'il y a des surprises, par exemple, l'Arax qui est détruit. Tiens, oh, point dans les couilles. Un peu moins de coca. Un peu plus de TKL, un peu moins de coca. Ouais, c'est difficile d'exister à côté de cet individu, quoi. Il prend beaucoup de place, il attrape les trucs, il les fait rentrer dans sa narration. C'est compliqué. Tu vois, c'est comme le jeu du oui et. Et en fait, en fait, tu me laisses juste le et, quoi. Et c'est compliqué. Paf, t'es genre. C'est. Ok. Insupportable. Non, mais si on pouvait caster la game, s'il vous plaît, ce serait cool. Donc, du coup, là pour l'instant, on est sur un opener. Finalement, à la fin des haricots, on pourrait dire en conclusion, bien sûr, que. Bah, Maru a juste un SCV de moins, et sinon tout est pareil. Ouais. Avec une Rax à l'extérieur. Un SCV. Ceci dit, en passant, il prend le kill. Le nombre de récolteurs sont égalisés, n'est-ce point. Nonobstant, comme on dit dans le milieu, bien évidemment, mais ça je t'apprendrai, gamin. En tous les cas, on est parti effectivement sur un début de TVT, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais qu'est-ce qu'ils font les deux? C'est insupportable, ces sessions d'enregistrement. Tapez 3 si vous appelez en ce moment même la police pour me sauver. Tapez 4 surtout si vous avez envie d'un full record, full bourré, voilà. Alors déjà, j'ai dit dans une vidéo, mais t'étais pas là encore parce que bah Coca, comme d'habitude, est arrivé en retard au travail. Oh non, non, Coca était en train de caster un match de Marine Lord pour Age of Empire. Ouais, Alexis, Age of Empire, ouais, ouais, Marine Lord, ouais, ouais, j'adore les trébuchés. Mais non, du coup, j'ai dit que si on atteignait les 4000 abonnés sur YouTube avant la fin du mois d'octobre, on faisait un cast full français, pas un seul mot d'anglais. D'accord. Déjà. Et pour vrai, c'est plus marrant. Après, que pour moi peut-être. Mais après oui, on peut dire 4500 le cast ivre mort. Mmh. Ivre mort? Mais j'ai jamais été ivre mort de ma life, mec. Bah je comprends, mais c'est normal. En Mais temps, il est temps d'y arriver, hein. Non mais c'est normal, enfin mec, au vu de ton parcours et tout, déjà tu te préserves pour la bonne femme. Parce que bon, ça fait 15 ans que t'es avec Elise, mais t'as bien réalisé que c'était enfin pas ouf, quoi. De quoi il parle, lui? Mais il est ma boule. Attrapez-le, les gars. Baissez-lui son pantalon, lui, il est fou furieux. Ok, attends, il y a moyen. Une mine en offensif? Ouais, une mine en offensif qui est en train d'arriver à Pat. En TVT, c'est une anomalie, hein, pour le coup. La mine reste à la maison. Oh, mec, en fait, c'est pour bait. Regarde, et là, il va faire. Vas-y, viens sur ma mine. Ouais, mais ça tue pas un cyclone. Ouais, mais, mais après, quand il y a 3 Reapers à la sortie, vrai, ça tue un cyclone. Oh, il y a 2 cyclones. Il y a 3 cyclones, mec. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il l'a vu en plus. Donc en fait, Maru tue le fun, comme d'hab. Ouais, ça c'est. En vrai, je sais oh pas. Oui, oh oui, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, il a tué le fun, mais il l'a revomi juste après, du coup c'est ok. Oh, il a. Ouais, après, oh, il était. Mais mec, surtout, il a repositionné sa Rax pour reposer le. Pour embêter le. Ouais, le laptech. Il tue 2 SU. Oh mec. Oh, ce qu'il lui met. Taper 2 pour René, bien sûr. Je sais plus à combien on en est là. Bon, bah, le truc c'est que maintenant ça commence à se mixer avec les taper 1 quelque chose dans la vidéo, dans la VOD précédente. Ouais, mais attendez, mais ça c'est pour Instagram ça. N'hésitez pas à aller suivre l'Instagram, bien sûr. Ah, bien sûr. Et bien, parce qu'on a. Suivez-nous aussi.
Moi j'ai gagné plein de followers Instagram récemment. On l'a refait. Ah tu l'as refait? Mais on l'a refait, j'ai raté, j'ai appuyé à côté. Et j'ai bu à côté de ma bouche. T'as bu à côté de ta bouche? Qui c'est fait ça? Tu l'as la ref de ça? Ouais, alors attends, j'y ai pensé récemment parce que du coup, bah en plus. T'as bu à côté de ta bouche? Non, Elise a bu à côté de sa bouche et m'a dit j'ai raté ma bouche. Et, et d'elle-même, hein, sans connaître le mime, je me suis dit ah, il y a quelque chose. On est peut-être frères et sœurs. En vrai, vous ressemblez grave, mec. Ta gueule. Vous êtes tous les deux blonds aux yeux bleus. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, oh. petite séquence, bien évidemment. On a réussi à faire beaucoup de travail avec ces bon, normalement, ça va être un outplay catégorique. On est en train de massif. Le bon XY. Qui se fait maltraiter. Je crois que j'ai jamais prononcé deux fois de la même manière son pseudo. Top 4 dans les commentaires, c'est le cas. Tapez 6 si vous êtes heureux. Et okay. Puis tapez 69 si vous aimez le sexe, quoi. Ah ouais, non, là, ça, c'est trop, ça. Là, là, je... Non, je... Non, mais en fait, on peut être joyeux et tout, TKL, mais le sexe, c'est la politique, c'est quand on est bourré, c'est tout. Donc, ça veut dire que t'es bourré. Ok. Le sexe et la politique, c'est la même chose, finalement? C'est ça que t'es en train de me dire? Non mais c'est les sujets qu'on aborde quand on va trop vite. Et quand on va trop vite, c'est parce qu'on a un coup dans le pif. Voilà. Ou c'est parce qu'on a peur de manquer des choses, tu vois. De manquer de temps quelque part. Parce que la vie nous échappe et on... Hey, c'est quoi, attends deux secondes, ouais. Pour le chat. Mm-hmm. Ça prend des CC, chacun est chez soi, on autorise cette séquence. Non mais du coup le moment est passé. Oh bah t'es vraiment une daube. Après c'est pas plus mal, puisque ici regardez Maru qui est en train de nous préparer une jolie... traversé, n'est-ce pas? Avec wow, eh bien, ouais. Ces trois cyclones, ces double tanks, il va héliporter. Hein. Ah oui, bien sûr. Là, c'est drop des tanks, récupération des cyclones, hop hop, oui, bien sûr, évidemment, pas besoin de... Oh oui, le cycle viking. Oh oui. Oh, et puis, du coup, ça pique up les unités pour casser le lock du cyclone de XY qui se fait casser la gueule. Ah ouais. La gueule. C'est un outplay froid et massif, j'ai envie de te dire, presque. Attends, mais là, tu flingues le SCV, la B3. Oh oui, oh non. Oh, c'est terrible. Oh les gars, il lui met tout. Hein. Maru, il est en train de tout lui mettre. D'ailleurs, ça c'est un truc que je trouve... Oh mais c'est S, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. En vrai, il s'en sort pas mal, XY. Hein. Il s'en sort pas mal parce qu'il va le clear. Bah, moi, je pensais qu'il allait mourir, là. Ouais, non, c'est... En vrai, il y avait quand même beaucoup, mais... Pour autant, il est pas sorti du bois, hein. Il y a encore des unités chez lui. C'est sûr. Bordel, il n'a pas contrôle de sa pocket expanse, qui est bordélique aussi, genre... Maru, à tout moment, alors j'ai pas trop fait attention à sa barre de production il y a quelques instants, mais à tout moment il redébarque. Non, en vrai, il est en train de produire un corbeau, donc il y a probablement pas de medivac qui arrive. Mais bon, ça XY, il en sait rien, tu vois, donc la pression elle reste sur ses épaules. Il traverse, qu'il arrive. Mec, hein. Il est en rally point cross map. Hein. Ouais, non, mais. En vrai, classique Maru qui respecte personne, tu vois. Bah, en fait, le truc c'est que tu sais, ça me rappelle mes games de bladder où je joue face à un 5k6 qui me respecte pas, quoi, et qui me traverse la gueule avec des unités et qui micro mieux et qui me. Voilà, ça c'est trop malin. Ça c'est trop malin parce que finalement XY il a deux tanks qui sont pas au bon endroit et... Ah non, c'est Six qui fait Maru et là il y a les deux corbeaux qui prennent de l'énergie pendant ce temps-là, ce qui fait que la prochaine agression peut prendre de l'envergure, même si bon, à terme va falloir commencer à jouer plus sérieusement côté Maru, mais bon, il y a les structures. C'est quoi pour voir s'il est concentré, combien de temps met-il à lancer son Steam et ses deux réacteurs? En vrai, il va mettre son... Oh. Wouah. Eh ouais, gros, il est en pleine agression. Non, mais il fait le para... il est là, il fait OK, plus +1/+1/+1. OK, je bouge mon armée. OK, je reviens. Shield, Steam, double truc, par pif pouf. Swag de fou, Maru, non, comme d'hab. Et surtout, moi, je vais être honnête, hein, et ça me met pas dans une bonne lumière, mais moi, j'allais dire, il y a 10-15 secondes d'attente avant qu'il le fasse, tu vois. Et genre, tu finis... Au moment où on pose la question, parce qu'il y a déjà 10-15 secondes. Ouais, non, au moment où tu poses la question. En vrai, il y a 5 secondes d'écart, tu vois, genre... Maru a été beaucoup beaucoup plus réactif que ça à quoi je m'attendais. Genre pff, qu'est-ce qu'il est fort. Bah contre Cable Matrice quand même de la part de XY, mais juste t'as pas de quoi push en fait, ton tank est trop loin, t'as pas d'unité mécanique, ouais. Et trois tourelles te tiennent en respect, en effet c'est vrai. Les tourelles c'est un peu comme un marine sans le steam en termes de DPS, un petit peu hein, pas exactement, allez pas me faire faire les maths dans les commentaires. Fais les maths. Faites les maths. Pas dans en maths encore, pas dans... Oh il lui prend deux corbeaux là. Il vient de lui prendre deux corbeaux, mec. Il a droppé le marine en trop. Il a fait, hey, tu sais quoi, mon petit Herbert. Mm-hmm. Pressé 8 dans le chat pour Herbert. Mm-hmm. Mec, Herbert, il lui a fait, toi, tu descends. On va prendre le cyclone à ta place. T'imagines la situation? Putain, l'éducation nationale, quoi. Ah bah, ça, je peux te le dire. Il avait fait le SNU, le mot Herbert. Il était. Oh, hey, mec, il est en freestyle, Maru. Il est en freestyle de fou, bordel. Il drop son petit cyclone. Il fait, piou, et il tue le supply. Waouh! Et en vrai, ça tire très fort. Hein. Bah, ça tire mec, très fort. Il y a un gage où on monte son cul et on se fait tirer dessus là-dessus par ça, mec. Hey. C'est précis ou pas? Franchement, vise ma canette. Non! Non, non, l'écran là. Vise mon doigt là. Non, l'écran, j'ai peur que ça le pète. En vrai. Bah, 2 ZV1 alors. Vise ma main là. Mais il y a l'écran derrière, les gars, c'est con. T'as touché. Putain!
Donc pendant cela, Fungal qui joue avec un nerf, hein, bien évidemment, puisque ce soir c'était la soirée du coup fun. Voilà, on fait des jeux fun à la con. Ouais, il y aura un best-of. Il y aura un best-of. Oui, il y aura un best-of de la semaine. Vous pourrez rattraper dessus. Et lui, il est mort. Mais du coup, comment dire ? Ouais, non, vous pourrez rattraper ça en VOD, bien évidemment. Si vous êtes abonné sur Twitch, avec votre Twitch Prime, bien évidemment, vous pourrez rattraper ça sur Twitch. Et sinon, bah, vous entendrez le best-of. Bien évidemment. En tous les cas, ici, Maru qui continue sur de l'hyper-agression et qui va aller chercher son adversaire. Ouais, qui en a rien à foutre, hein, genre, qui est vraiment en train de lui dire, mec, est-ce que tu te souviens que je suis l'un des meilleurs TVT du monde, si ce n'est le meilleur TVT du monde? Ouais, c'est que... le meilleur TVT du monde. Oui, je pense aussi. Et que, bah, en fait, toi, t'es le troisième meilleur terrain chinois. Genre, t'es même pas le troisième meilleur TVT chinois, t'es le troisième meilleur terrain chinois. De toute façon, ton TVT, il est éclaté, oh, quoi. Oh, mec, y a une tourelle qui va tuer. Ah, oh, ouais, non, mais ouais. C'est une démonstration de skill. Et en vrai, XY, genre. Il se débat bien. Bah il se débat vachement bien, mec. Ouais, ouais. Genre Maru est en freestyle. Je pense qu'il est en train de taper des 3-6 sur son front. Genre c'est stylistiquement swag ce qu'il est en train de faire. J'aime bien dire que dans Starcraft, comparé à Melee, c'est un jeu où c'est dur de swagger. Il est en train de le swagger. Il est en train de le swagger 10 000%. Par contre, bah XY il meurt pas, ce qui est plutôt une bonne perf. Parce que je peux te dire que sur le ladder, il y a plein de gens que Maru peut styler et qui meurent instant. Ah, oui. Mais là il se débat, il y a le steam, il a B3, il n'a que 15 de pop de retard. C'est pas énorme 15 de pop. Non, mais aussi parce que c'est aussi pour ça que c'est plus difficile de styler sur Starcraft que sur Melee, tu vois. C'est parce qu'en fait, si tu styles sur un mec, potentiellement tu perds des ressources. En fait, dans Melee, il y a pas de ressources, genre c'était PV, tu vois. Mais il y a pas de ressources en tant que tel. Et du coup, genre là, ça se dit, on se dit, ah oui et tout, il y a que 15 de pop de retard, mais il n'y a pas le bouclier de combat du côté de chez XY. Il n'a pas lancé son 2-2, il n'a pas lancé son 1 d'attaque mécanique. Est-ce qu'il a seulement son armorerie? Est-ce qu'il a une deuxième factory? Oui, il a son armorerie. Bon, il a son armorerie. C'est cool, tu vois. Ah, non, mais il joue bien. Disons-le, il joue bien. Non, tu mais vois. Il joue bien. Mais même en résistant bien, on voit que petit à petit, les attaques de Maru continuent d'être efficaces parce que, bah, en fait, le 15 de pop de retard que tu évoquais, maintenant, c'est quasiment 25, tu vois. Non, mais bien sûr. Oh, bien joué. Ça clique les corbeaux. Il y a qu'une seule toile qui va être envoyée par 3 corbeaux. Très bien fait de la part de XY, mais la position est prise par Maru ici, dans la B1 directement. Franchement, je crois que j'ai pas vu ça depuis très longtemps. J'ai pas vu ça depuis très très longtemps, les amis. Un gars qui brutalise un autre comme qui ça. Mmh. Non, il se fait dégommer, XY. Genre. Et avec bon bah la nonchalance que vous connaissez à Maru, genre bien vraiment. Sûr. Il en a rien à foutre. Il en a rien à cirer, c'est fou furieux. Et il y en a partout, oui, ça va. Ça va trop vite. Oh, ça fait plaisir ce genre de game. Ça fait très longtemps que j'avais pas assisté à ça, genre ça date. Pour moi, c'est un groove pro league comme game. C'est un groove très pro league comme game, effectivement. C'est un groove pro league parce que du Maru qui se retrouve, enfin ou du top joueur, du ace player qui se trouve de manière inattentive contre un second. Et il y a un message à envoyer. Bah, c'est le truc de la team d'en face a réussi leur pick dans le sens ils ont neutralisé Maru, ils ont envoyé un joueur faible. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est l'heure de taper sur le moral de toute la team et d'humilier le mec, quoi. Et c'est ce qu'il a fait, Maru. Elle aussi, était hein. Incroyable cette game. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu voilà, un truc comme ça avec une volonté de faire mal, une volonté d'être stylé, une volonté de s'en battre les couilles. Et Maru, les gars, il était vraiment assis et son bassin était pas bien calé au fond de la chaise. Hein. Il était plutôt sur un petit middle avec le dos bien rond et en train de faire comme ça en mode balèque, genre. Non, comment ? Incroyable de la part de Cho Sung-jo. Maru, bien sûr, parce que eh bien, c'était une très belle game. Merci pour ça, Maru, je t'aime. Voilà. Merci pour ça et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Mais pensez bien à laisser le pouce bleu, laisser le commentaire que vous voulez, pas obligé de taper des chiffres random et surtout checker les liens dans la description de la vidéo. Mais non. Il y a tous les liens, il y a notamment les liens des réseaux sociaux comme Activi, mais il y a aussi les liens des commentateurs. Voilà, Funka, Coca et moi-même TKL. Checkez ça pour aller nous retrouver sur Twitch en direct et notamment sur la Comme Activi les mercredis et les vendredis. Bref, des bisous. À la prochaine. Tapez 9 si vous avez suivi cette game jusqu'au bout. Allez. Bisous.